Voilà, nous sommes à Putrajaya. Il reste une demi-heure de compétition sur les 12 heures de marche. Et comme vous voyez, il y a de moins en moins de concurrents sur le circuit. La plupart ayant arrêté. Nous allons faire un tour en plein jour, histoire de visiter un peu les lieux. Pas très vite parce que je suis crevé. De l'autre côté, la ligne d'arrivée. It's Sport TV. Concurrente qui vient dans l'autre sens. Voilà une concurrente qui a encore un petit peu d'énergie. Et qui mène un bon train. Un coup de pistolet, je ne sais pas ce qui se passe. Ah si, c'est le départ des courses de 1 km pour les petits. Donc vu qu'on est à 200 mètres de la ligne d'arrivée, je ne pense pas qu'ils nous rattraperont. Voilà, le demi-tour. Le passage sur le tapis pour qu'il n'y ait pas de tricheurs. Voilà, derrière, il y a quelques marcheurs trottineurs là. Voilà monsieur le juge qui surveille avec ses cartons. Voilà notre ami là, qui passe devant le juge. Ah non, il se calme un peu quand même devant le juge. Merci beaucoup. Voilà, nous repartons. Nous allons aller passer la ligne d'arrivée. Apercevoir la tête de course, voilà, le Suédois Svensson là-bas, suivi du vainqueur de l'année dernière Thomas Eng. Mais zou, c'est reparti. Quand même, pour regarder les monuments devant lesquels nous passons.
venait d'arriver. Donc ça va faire bip quand je vais passer dessus. Puis après il y aura les stands de ravitaillement, les courses de jeunes qui se préparent. Et voilà, bip. Encore deux ou trois tours à faire et ce sera rendu. Donc on va essayer de se retourner, voir passer Christer. Non, ça c'est le... C'est un autre marcheur. Encore bien frais. Une marcheuse. Voilà, je le vois là-bas. Christer. Come on, Christer. Come on, Thomas. For French TV. Voilà, donc le vainqueur de cette année et le vainqueur de l'année dernière. Donc là, sur la droite, on va bifurquer un petit peu. Voilà, c'était tout illuminé cette nuit, c'était tout beau. Le stand de ravitaillement, là-bas au fond. Il y a quand même moins de monde que tout à l'heure. Un petit peu moins de gobelets aussi. Non, hein. Voilà. Hop là. Là, c'est l'eau. Voilà encore le monument. De l'orange. Ah, voilà notre ami Alain Ouvray, autre Français que l'on aperçoit de loin. Voilà les stands de tentes pour les concurrents. Il y en a aussi de l'autre côté. Voilà monsieur Frans Leitens, le Hollandais. Monsieur Bill Purves, le concurrent de Hong Kong. Madame Echo Young, la juge de Hong Kong. La police qui nous surveille. Good morning. Et voilà un bon marcheur, bien dynamique, avec des grandes foulées. Le monsieur qui me double, là sur la droite, il a été en tête pendant 2 heures. Il est parti comme une flèche. Et voilà, il rame comme tout le monde. Et Christer a dû lui mettre une dizaine de tours, peut-être 20 tours. Voilà Franz, là-bas. Nous allons arriver au demi-tour. Encore une concurrente tout en jaune, jaune fluo. Le demi-tour, tout le monde passe sur le tapis, ça bip.
Et donc la ligne droite, deuxième ligne droite, jusqu'au stand de ravitaillement où je poserai ma caméra. Ce concurrent-là a l'air de boiter. Good luck! Regardez la première là qui va nous doubler. Elle est toute petite, elle est toute fine, mais elle va encore très vite après 11 heures d'épreuve. Come on, girl, come on! Voilà, donc sur la droite, les tentes qui sont montées par les concurrents malais, puisque les concurrents étrangers ont droit à une tente perso montée par l'organisateur. Ah, on fait les photos souvenirs déjà. Vous voyez les concurrents, il reste encore une demi-heure. Mais ceux-là, ils ont fini depuis longtemps. Ils posent, ils font des souvenirs. Ceux-là, ils marchent dans l'autre sens. Ils n'ont pas compris. This way, this way. Voilà, il dit qu'il a fini. Voilà, c'est un petit peu comme les circuits sélectifs, sauf qu'il y a quand même plus de monde. Donc sur la fin, c'est un peu la Bérézina ou la retraite de Russie avec 40 degrés de plus. Parce que là, il fait autour de 30 degrés. Il y a un petit vent frais. Et encore un concurrent qui me double. Quelques photographes. Le photographe officiel. C'est les prix qu'il croyait prendre. Voilà, bah j'ai raté mon stand, zut alors.